Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le point sur les dernières news de SCS Software, plus particulièrement des nouveautés de Euro Truck Simulator 2. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a plus trop de nouvelles ces derniers temps, c'est vrai. Quand va sortir la prochaine mise à jour? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Est-ce qu'ils sont encore en train de bouffer du foie gras? Ou est-ce que finalement, est-ce qu'ils nous préparent des surprises? C'est plutôt la deuxième option. On va un petit peu voir de leur côté ce qui se passe. Encore une fois, là pour le coup, je vais vraiment parler de Euro Truck Simulator 2 et pas forcément de American Truck. Et il y a un truc qui me hype de ouf là, que je suis tombé dessus totalement par hasard, et c'est le titre de la vidéo, c'est le Lac Léman. Parlons-en tout de suite avec justement le rework de la Suisse. C'est une des toutes dernières annonces qui vient d'être faite. Alors en réalité, ça fait un mois qu'ils nous l'ont annoncé, mais vous savez, j'étais pas vraiment là. Et en fait, ils sont en train de rework donc la Suisse. À chaque fois qu'ils font un rework, donc d'un pays ou d'une ville, etc., c'est vraiment, ils repartent de manière générale, ils repartent à zéro. Voilà, ils refont tous les aménagements, ils refont toutes les zones commerciales, ils font des nouvelles routes, ils font des nouveaux points d'intérêt, des nouvelles zones agricoles en fonction de l'emplacement, etc. Voilà, ils repartent vraiment sur de toutes nouvelles bases, et donc ça rajoute de la fraîcheur et du réalisme d'ailleurs. Donc là, la dernière nouveauté, c'est Genève, qui sont en train de retravailler, donc vous le voyez, un work in progress. Et vous voyez ici le drapeau de la Suisse, et vous voyez là le drapeau de Genève. Alors Genève, pour être très honnête, d'ailleurs j'ai jamais mis les pieds à Genève. J'ai jamais mis les pieds. Je sais que Victor l'a dit, il est déjà allé à Genève pour des raisons X ou Y. Par contre là, ce que j'ai vu et ce qui me hype, c'est qu'on va pouvoir longer le lac Léman, ou le Léman. Normalement on dit pas lac Léman, on dit Léman, puisque Léman ça veut dire lac, Léman. Terrible. On pourra longer le lac, on pourra traverser le centre-ville de Genève, donc on pourra même traverser le Rhône. Voilà, vous le voyez derrière moi, hop là, magnifique, superbe. La célèbre fontaine, bien sûr, emblématique, j'ai envie de dire, de Genève. Et puis l'autoroute L40 que j'ai donc pris, il me semble. Attendez, je vais vérifier un truc. L'A40, c'est l'autoroute qui est en hauteur et tout. Bref, donc clairement, le rework de la Suisse et plus particulièrement de Genève et tout ce qu'il y a autour, ça va être juste génial. Vous l'aurez compris, je le répète une dernière fois, le Léman, l'autoroute ultra stylée sur les hauteurs, ok. Bon bah Genève en lui-même avec le centre-ville, fontaine, etc. Donc je pense qu'on aura plein de points d'intérêt par-ci par-là, des cinématiques. Et voilà, que du bonheur. Alors vous allez me dire, le rework, donc le retravail sur la Suisse, c'est bien beau, mais c'est pas fini. Ils font aussi le retravail de l'Allemagne. Alors je ne sais pas ce qui se passe, ils aiment beaucoup d'un coup cet endroit, hein, c'est normal, c'est l'Europe. Finalement, c'est l'Europe, Eurotruck, voilà. Ça parle de Francfort. Voilà, il y a plus de 750 000 habitants dans cette région métropolitaine, bien sûr. La croissance économique locale qui continue, évidemment. C'est le business là-bas, il y a du business, bien sûr. Des nouveaux dépôts. Pourquoi d'ailleurs Francfort est si connu que ça, si je dis pas de bêtises? C'est parce que il y a l'aéroport, un des aéroports en tout cas les plus grands d'Europe. Stylé, non? Bah du coup il y sera. Donc on verra les navions. Ah oui, alors juste pour refaire rebond avec le rework de la Suisse, donc ils avaient, en fait ils avaient annoncé ça en décembre, d'accord. Ils avaient annoncé ça justement en commençant par la ville de Berne. Alors j'avoue que c'est pas forcément c'est sans doute une très jolie ville, hein. Voilà, c'était pas la grande annonce finalement. Donc c'est vrai que Genève, ah, ça rajoute un peu plus de poids à la démarche. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais donc voilà, si jamais, il y aura Berne également. Et pour tous ceux qui demandent où c'est qu'on en est sur le prochain DLC. Bon, vous le savez, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais le DLC sur la Russie, vous savez... Alors j'espère que je vais pas avoir de problème en parlant de ça d'ailleurs. Parce que YouTube, on connaît, tu vois, liberté d'expression, il y en a de moins en moins. Mais bref, le DLC de la Russie, vous le savez, bon bah nada, hein, pour le moment, pour des raisons fort évidentes. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais on est dans la merde. Non bref, donc il n'y a pas de Russie de prévu, en tout cas pour le moment, hein, ça c'est clair. Mais bon, une fois que l'orage sera passé... Tant que c'est que l'orage qui passe finalement. Voilà. Donc à la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les Balkans occidentaux. Donc les West Balkans, les Balkans de l'Ouest. Vous l'aurez compris, hein, l'Ouest c'est ce qui est plus proche de chez nous quand on est dans les pays de l'Est. Et donc là, ils étaient tout contents de nous annoncer il y a un mois également que il y a tout plein de passages de frontières. Alors bon, je sais pas à quel moment c'est stylé tous les passages de frontières. Et là au milieu du mois, ils ont refait un post pour dire qu'il y a plein de passages de frontières. En gros, ils ont répété ce qu'ils ont déjà dit il y a un mois. Donc en fait, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à montrer des West Balkans pour le moment, donc de ce DLC, mis à part qu'il y a plein de passages de frontières. Donc c'est-à-dire qu'en gros, pour le moment, hein, c'est comme ça qu'on nous le vend, si vous achetez le DLC West Balkans, ce que vous allez surtout faire, une fois que vous l'avez acheté, quand vous allez rouler là-bas, c'est que vous allez rouler, vous arrêter, attendre. Passage de frontière, tu l'as compris. Rouler, hop, tout de suite s'arrêter, attendre, passage de frontière. Ah, ça y est, c'est parti, on y va. Tu roules, 5 minutes, paf, tu t'arrêtes, passage de frontière, t'attends. T'as compris?
Bon, pour le moment, c'est comme ça qu'ils nous vendent le West Balkan. On va voir par la suite comment ça va se passer. Moi, ça me hype pas trop pour le moment. Après, voilà, ce sera forcément très joli. Pareil en Allemagne, c'était aussi donc il y a un mois, je rebondis en fait, vous avez vu, je fais des liens entre ci et ça. Ils sont en train, ils ont fait Stuttgart, voilà, ils sont en train de rework également Stuttgart, donc pareil, Stuttgart, très connu en Allemagne forcément. Pareil, ils repartent à zéro, ils refont tout de nouveau, c'est bien sympa, c'est très joli les screens qu'ils ont mis pour le coup là. Là ils ont fait des efforts au mois de décembre, ça donne très envie. Donc voilà en fait, pour finalement résumer, ils sont en train de travailler sur trois trucs principaux. Actuellement, sur Euro Truck Simulator 2, ils travaillent sur le rework de la Suisse, donc avec différentes villes. On a parlé de Berne, on a parlé... de Genève. Ils retravaillent sur l'Allemagne. On a parlé de Stuttgart, on a parlé de Francfort. Et ils sont en train de travailler sur le DLC donc des West Balkans. Ils sont en train de travailler sur les passages frontaliers. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé les gars. Euro Truck, ça se fait des petits plaisirs. Quand sortira la prochaine mise à jour, là je ne sais pas. Ça se trouve au moment où la vidéo sortira, on le saura et je passerai pour un débile. Si je vous ai appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si je ne vous ai rien appris mais que vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Le petit commentaire qui fait plaisir, vos avis, ça m'intéresse. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et notamment sur le jeu Sons of the Forest dès qu'il va sortir dans quelques semaines, bordel. J'ai trop hâte. Voilà, j'ai fait un changement de sujet, mais ça régale. Allez les amis, je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.